maintenant les volets à deux. Voilà. Ouais, essaie de remonter un petit peu pour 3000 pieds. Parce qu'on est descendu. Voilà. Ça va arriver très très vite. Et vitesse 140. Qui remonte encore un peu. Encore plus. C'est les roues, tu peux tirer la poignée et la descendre. Voilà. Et on va bientôt faire un virage à gauche, je te dirai quand. Je vais être un petit verrouillé, je te mets les volets à 3 juste. Ok, vas-y à gauche, tourne, 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 tourne. Plus, plus, plus. Attention, tu descends, remonte un peu. On va se pencher par contre. Penche, 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 penche. Je prends les commandes. Là. Voilà, parfait. Redresse à droite. Excellent. Est-ce que tu vois l'aéroport devant? Ouais. Ouais, on prend celle de gauche. Hein. D'accord. Celle-là, ici. Ben, avant l'aéroport Trudeau, il y a trois pistes, mais il y en a une qui n'est pas en service, la piste du milieu. Ouais, la piste 1028 qui est, je crois, qui est vraiment jamais utilisée. Qui sert que pour le roulage. Ouais. On revient un peu à droite. Donc en stream, finalement, ça sert presque à, ben, à part le roulage, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. On monte un petit peu. Bon champlain à gauche. Ouais, c'est ça. On remonte un petit peu. On est un peu trop bas en fait. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et dans mon jeu, des fois, il y a des bugs qui font que le pilote automatique s'active tout seul. Fait que quand je réduis la vitesse, ça réduit pas, ça fait juste accélérer. Il faut que je désactive. Ah oui, oui. Parce que l'auto-throttle, donc la puissance automatique, est séparée autopilote. Et en fait, ouais, enfin bref, je vais pas commencer à trop en parler. Mais... Ouais. Par contre, s'il n'y a pas de vent de travers, les pédales ne servent à rien. Et si on s'en sert, ça rajoute de la contrainte. Donc tu peux vraiment tout faire avec le manche.
En fait, les pédales, c'est rarement utilisé dans l'aviation. Bah, sauf s'il y a du vent de travers, ouais. Et encore, pas tant. Je commence à la voir. Ah ouais, je suis un peu un bon pilote. Il hein. Ben, faut savoir regarder en fait. Ouais, c'est ça. Laisse-le descendre comme ça. T'as un petit peu trop tiré sur le manche, laisse-le descendre. Maintenant tire. Voilà, tu vois. Ok. C'est à la fin, tu veux vraiment le laisser descendre. Je sais pas à la fin que tu vas faire des corrections majeures. Ben, c'est bien. Eh ben, bravo, man. On va laisser un petit peu rouler, on va aller voir la gate, tu vas voir, c'est juste à côté. Ah, c'est bien, mais tu vois que Montréal, on reconnaît bien. Ouais. Encore à Canada, toi. Ouais. Puis le terminal qui est juste à côté. On veut juste rouler pour quitter la zone. Ah ouais? Ouais, c'est là qu'on va. Ah, pour spotter les avions? Ouais. À droite ici. Y'a juste là, je suis allé. Décoller de 6 droite. La gauche. Ça, c'est droite. C'est ça. C'est droite ou de quelle gauche? C'est pareil, forcément. Ici on va aller à gauche et on va s'arrêter devant une gate. Okay. Moi, je peux trouver n'importe quel bras d'accès là. Ça bloque les roues si on appuie sur les deux pédales en même oui, temps. En haut des pédales et pas en bas. Mais oui. Faut suivre les lignes rangeantes, c'est ça? Ouais, c'est possible. Okay. Ouais.
Ben voilà. Wow. Comment ça va? Bien. Ouais. Je disais que tes contrôles étaient plus difficiles que je pense. Ah, c'est vrai, c'est plus sensible peut-être. Plus sensible. Ouais. Il y a plus de variations rapides au niveau des actions, c'est sûr. Bah c'est bien, on a suivi en plus, enfin on a suivi les procédures ensemble. Hein. C'est pas que vraiment du pilotage. Ça a été très instructif pour lui, je pense qu'il a appris beaucoup. Ah bah j'espère. Donc félicitations, tu t'es pas craché. C'est quand même pas mal. Et voilà, attention en te relevant. Ouais, attention à ta tête. T'es un grand pilote.